Il n'a pas de bijoux, pas de montre. Vaguement une paire de Ray-Ban, habillé en blanc. Très, très beau. Vous êtes un ami de Philippe ? Je vous ai rien dit. C'est qu'en fait, Philippe n'est pas là. On attendait hier soir, il n'est pas arrivé. Votre nom, c'est ? Boris. Chérie, il faudrait peut-être songer à préparer une chambre pour notre invité. Ah non, non, non. Non, vraiment, ça me gêne. Non, on va quand même pas vous laisser coucher sur la plage, non ? Tu les vois amis, toi, Philippe et Steve ? Non, pas vraiment. Il est pas clair, ce type. Il a la poignée de main trop franche. Qu'est-ce que tu dis ? Je parle de l'arrivage du jour, là. Le Chipundle. C'est quand même bizarre, hein, qu'il se balade son pièce d'identité, son portefeuille, son rien. Ouais ! Si on pouvait respecter les règles, ça m'arrangerait. Y a pas de problème. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que mes enfants, tes enfants et tes neveux sont partis à l'arrière d'un 28e qui peut péter à tout moment, à la merci d'un bain complètement défoncé qui doit sortir de tôle, et sans gilet de sauvetage en plus ? Mais vous êtes complètement parano. Donc, vous voudriez qu'on enquête sur un type dont vous ignorez le nom et qui habite chez vous ? Ne vous inquiétez pas, le temps change vite, monsieur. Allez voir, à midi, il fera tellement chaud qu'on n'y tiendra plus.